Carole Deschantres, son mari victime d'un accident peu commun, leurs vacances sont terminées. Les vacances cessent et terminées pour Carole Deschantres. La belle actrice qui était en Polynésie doit rentrer en Suisse de toute urgence avec son mari. La raison ? Un accident inattendu et rare ceste produit et son homme doit être rapatrié. Après un séjour à San Francisco en juillet, la comédienne Carole Deschantres était partie en Polynésie pour 6 semaines. Rencontre avec les Tiki Marquisiens, sculptures emblématiques qui protègent les habitants et éloignent les mauvaises énergies. Navigation polynésienne entre les îles Marquises et les Tuamotu, séance de plongée avec 400 requins dans la passe sud de l'île de Fakarava. Le séjour de Carole Deschantres était synonyme de rêve éveillé. Mais le rêve a tourné au cauchemar de façon brutale, il y a quelques heures. Son mari Sébastien Devrient, qu'elle a épousé il y a 20 ans, a été victime d'un accident peu commun, comme elle l'a dévoilé en story 2. Son compte Instagram jeudi 18 août 2022. Urgence hôpital de Papeete pour mon homme. Elle écrit en légende d'une photo d'un homme, que l'on suppose être justement son mari, en fauteuil roulant devant l'entrée des urgences. Son émoticône triste en dit long sur l'ambiance. Puis, sur une autre image, elle explique l'origine du drame. Tombé à travers un hublot sur le pont du bateau, mon amoureux doit être rapatrié pour une bonne prise en charge de son genou. Comme le dernier en date, opéré en mars 2022, situé cette fois au bras. 4 mois après mon dernier petit cancer de la peau sur le visage, j'ai subi il y a quelques jours une nouvelle opération, cette fois-ci sur le bras. J'ai décidé d'en parler, de témoigner pour continuer la prévention dans laquelle je suis engagée depuis quelques années. Parce que le cancer ne doit pas être un tabou, j'estime qu'il faut pouvoir en parler librement, afin d'encourager et de banaliser le dépistage, avait-elle déclaré.